Monsieur, ne restez pas aux alentours, s'il vous plaît. C'est ma maison. Que s'est-il passé? C'est quoi cette tache de sang? Ah, une personne s'est jetée de votre balcon au premier étage. Vous allez avoir une nouvelle maison, mais quelqu'un va mourir dedans. Quoi? Ce n'est pas possible. Nelly et Kurt, son frère et sœur, viennent juste d'aménager à Moonlight Falls. Qu'est-ce que je suis contente de déménager ici, on a trouvé une belle et grande maison. Oui, tu as raison Nelly, c'est chouette pour faire tes fêtes ça. Ah oui, mais tu sais très bien pourquoi on est venu dans cette ville, Kurt. Je te le dis tout de suite Nelly, je ne veux pas paraître mystérieux aux yeux des habitants de cette ville. J'ai envie d'une vie normale, je veux que les gens me voient comme une personne ordinaire. Oh, ne t'inquiète pas Kurt, je suis sûre que chaque famille ici cache des secrets. Oh oui, Nelly avait raison. Brian, je viens de voir mon père passer derrière une bibliothèque. Faudra qu'on aille voir ensemble ce qu'il cache. Oui, Marco était déterminé à voir ce que son père cachait. Marco vient de m'appeler. Qu'est-ce qu'il voulait encore ? Rien de spécial. Ne fais pas attention à lui, Brian. Marco est vraiment un gars spécial. Peut-être, mais c'est mon ami. Mais il est mal habillé, son frère est malade, son père, n'en parlons pas. J'ai jamais vu aussi bizarre que lui. Mais c'est dégueulasse de dire ça, tu n'as pas honte Barbara? Le père de Marco a des problèmes financiers, son fils a le cancer, il va peut-être mourir, et toi tout ce que tu trouves à dire sur sa famille c'est du mal. Maman, c'est bon. Non, c'est pas bon, et puis toi tu pourrais défendre ton ami quand même. Je m'en vais chez eux, je dois consulter Johnny. Ne fais pas attention à elle, elle s'emporte rapidement. J'ai vu ça, c'est pas grave. Bonjour, vous devez sûrement être l'infirmière. Mon fils est dans sa chambre. C'est d'accord, je vais le voir. Marco, tu sais que je ne te cacherai jamais rien. Tu peux me faire confiance. Tu me prends pour une prune. Tu crois vraiment que je vais te faire confiance? Pauvre crétin, de toute façon, tu ne me feras jamais confiance. Rookie, tôt ou tard, je découvrirai ce que tu caches. Je ne cache rien, sombre idiot. Ah oui? Elle avait bio. J'ai terminé, sa tension n'est pas très haute, il n'a pas beaucoup de force. Mais c'est de sa faute à lui! Tout est sa faute depuis le début! Marco, la ferme! Tu as osé me frapper? Marco, je me suis laissé emporter. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous avez tous ce matin? Vous êtes tous faux? Bravo, que d'efforts, toi. Tu n'as pas intérêt à me reparler sous ce ton devant les... Tais-toi. C'est plutôt toi qui devrais penser à ne plus jamais me retoucher. Talia? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Oh, vous le croque-mort, lâchez-moi les baskets avec votre fille insolente, là. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Madame, est-ce que tout va bien?
quand ça ne va pas trop. Ah, sans trop être indiscrète, qu'est-ce que vous avez ? J'en ai marre des critiques par ici, des disputes par là, et puis une mort sur le dos. Ah, je vois, vous êtes sûrement dépressive. Peut-être, vous êtes nouvelle ici ? Oui, mon frère et moi sommes arrivés en ville hier soir. Je m'appelle Talia, et vous ? Moi c'est Nelly. J'organise une fête après-demain pour faire connaissance, ça vous dit de venir ? Vous serez pas déçus. Une fête, pourquoi pas, ça me changerait les idées. Super, ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt alors. Barbara, tu viens voir au studio de Madame Bog. C'est qui, elle ? C'est la femme qui nous a engagés pour tourner des pubs. Ah oui, c'est vrai. Mon chou, tu es venu ! Avec une fille en plus ! Au fait, mon nom c'est Diana. Moi c'est Brian, et voici Barbara. Oh, c'est sexy, Brian. Sexy ? Bon, arrêtons de bavarder pour rien. Allons directement dans ma salle de beauté. Quelque chose ne va pas, ma chérie ? Je suis tourmentée. Oh, ma pupuce, il faut que tu te calmes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Rien du tout. Au fait, nos nouveaux voisins nous ont invités à une fête après-demain. Moi j'y vais, ça a l'air trop cool. Allô, Nelly ? Oui, c'est Talia. Talia, je voulais juste vous dire que si vous avez d'autres connaissances, vous pouvez les inviter aussi à ma fête, pour faire connaissance. C'est d'accord, je n'hésiterai pas à inviter d'autres personnes alors. À bientôt. Je vais inviter Monsieur Javert et ses deux fils. Kurt, après-demain j'organise une fête à la maison. Déjà ? Tu es bien rapide toi. Il faut acheter de la nourriture, de la musique, de la déco. Tu vas chanter aussi ? Kurt, non, j'oserai jamais. Nelly, tu dois vaincre ton trac devant les gens. Mais Kurt, je... Si tu veux devenir chanteuse, il n'y a rien de tel, sœurette. Je chanterai un autre jour, il y a des choses plus importantes à faire. Bon, eh bien je vous montrerai demain le résultat du tournage. Ok Diana, merci encore pour nos nouvelles coiffures. J'espère qu'elles vous plaisent, j'y ai passé beaucoup de temps. Allez, à bientôt Diana. Diana, c'est bon ? Ok, j'arrive. Mais Barbara n'est pas là, elle est au gymnase. Tiens, je devrais peut-être aller voir ce qu'il y a dans ce sous-sol avant d'aller chez Diana. Des armes ? Père de Marco cache des armes à feu ? Mais vous savez, les bleus vont peut-être gagner. Oui, bien sûr. Mais ils ne seront pas sont plus forts que les bleus. Bien, il y a un sourire que je dis. Allô, docteur ? Oui, c'est Monsieur Javert. Invité à une fête ? Demain ? Avec mes fils ? C'est d'accord. Merci encore. Je suis touchée. À demain alors. Ma vie n'a plus aucun sens. Pourquoi tu dis ça, Johnny ? Je vais mourir, et puis je ne suis pas heureux. Demain, nous irons à cette fête pour mettre un terme à ta dépression. Tu verras, on va bien s'amuser. Bon, pour savoir où est caché ce trésor, il faut lire des ouvrages sur cette ville.
Allons à la bibliothèque, nous allons sûrement trouver un bouquin qui indique l'emplacement du magot. Bon allez, c'est parti. Cette bibliothèque n'a pas l'air bien grande, nous finirons bien par trouver quelque chose. Selon Pinute Ball, il y a un trésor caché à Moonlight Falls. Il aurait écrit dans son journal de bord l'endroit exact du trésor. Son journal serait apparemment caché dans le sous-sol de la bibliothèque de Moonlight Falls. Mais tous les habitants d'antan de cette ville auraient tenté de trouver ce journal, mais ce fut toujours espoir perdu. Ils considèrent désormais que ceci n'est qu'une banale légende du passé de Moonlight Falls. Encore faut-il que je trouve ce sous-sol. Tu as trouvé quelque chose ? Non, rien. Je vais prendre l'air. Il fait chaud ici. D'accord, je continue de chercher, moi, alors. Un sous-sol, mais où ça ? Ah, ici. Intéressant, j'ai l'impression d'être près du but. Mais où est ce journal débile ? Qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque au fond du couloir ? Réfléchissons, nous sommes dans une bibliothèque, il y a quelque chose de caché. Évidemment, derrière cette étagère... Hop, et voilà, ce journal est pour moi. Te voilà ! T'étais où ? Je t'ai cherché partout ! J'étais parti faire pipi, si tu veux tout savoir. Bon, rentrons, j'en ai marre de chercher. Mais c'est quoi ce look de plouc ? Je ne vous permets pas. Eh bien moi je me permets. Votre tenue est complètement affreuse. Suivez-moi tout de suite et je vais arranger ça. Je ne veux pas dépenser d'argent pour ça. Je le fais gratuit pour vous. Eh bien, ma maison avance à grands pas. Je vais avoir une nouvelle maison. Ici, ce vieux fou avait raison. Ça m'étonnerait quand même que quelqu'un meure dans ma nouvelle maison. Et je ne vois pas qui. Excusez-moi, mais vous parlez à qui ? À personne. Je réfléchissais. Mais vous êtes nouvelle. Eh bien, de nouveaux arrivants vont arriver. Oh ! Il avait raison. Qui ça ? Personne. Désolé, je dois vous paraître comme un fou. Bref, bienvenue à Moonlight Falls. Madame River. Appelez-moi Nelly. J'organise une fête demain, ça vous dit de venir ? J'ai invité un peu tout le quartier, c'est pour faire connaissance. Demain ? Très volontiers, ça a l'air bien. Au fait, mon nom c'est Jack. Enchanté Jake. Je vous dis à demain alors, bonne fin de journée. Je suis vraiment contente que tout le monde soit venu. Quelle bonne musique! Tu voudrais bien arrêter de me marcher sur le pied?
Marco, il faut que je te parle. Ton père, il cache des stars. Quoi ? Tu as trouvé sa cachette ? Oui, derrière une bibliothèque. Attends, je vais dire deux mots, moi. Non, attends. Eh bien, tu vois, Johnny, cette fête est fabuleuse. Oui. Hé, hey, toi là ! Marco, qu'y a-t-il ? Ne fais pas l'innocent, imbécile. Je sais où tu caches les armes. Mes armes ? Mais tu as complètement perdu la tête. Ne vous disputez pas. C'est toi qui as tué la mère de Barbara et Kalea. Je vais tout dire à la police. Tu n'es qu'un malade mental. Je ne cache rien du tout. Mon fils est taré. Ne faites pas attention. Tu as atteint mon petit. S'il vous plaît, calmez-vous. Mêlez-vous de vos oignons. Tu vas la fermer, crétin. Oh là là, vous êtes bizarre. Vous avez des secrets à cacher ou bien ? Sachez, Nelly, que tout le monde dans cette ville cache un secret. Même vous. Moi ? Je ne cache rien du tout. Ah bon ? Et où est votre frère alors ? Eh ben il est là, au bar. C'est pas possible. Où il est passé ? Johnny ? Et où est Johnny ? Je ne sais pas. Il doit être aux toilettes. Je dois vous laisser, il s'est fait tard. Je dois me coucher tôt. Demain, je dois continuer les travaux de ma maison. Bonne soirée à tous. J'en ai marre de ma vie. Je ne vais plus voir toutes ces disputes. Peut-être qu'ils arrêteront de se crier dessus un jour. Mais là, c'en est trop, j'en ai assez. Et puis, de toute façon, je sais que je vais mourir dans un certain temps. Car j'ai ce foutu cancer. Adieu, Marco. Oui, ami ou ennemi, il est toujours important de mieux connaître ce qu'on aime, et mieux encore de mieux connaître ce qu'on aime moins. Il ne faut pas révéler aux autres le malheur qui nous frappe, mais encore moins se donner la mort. Mais il faut savoir que nous ne donnons pas la mort, mais que nous la subissons. John y aurait peut-être encore en vie, mais c'était son destin.